Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo après 4 mois d'absence et une vidéo d'explication par rapport à ces 4 mois d'absence et par rapport à ce qui va advenir. En tout premier lieu, sachez que j'ai plusieurs modes installés là sur ce que vous voyez en arrière-fond sur Heart of Iron 4. On n'en tiendra pas compte en l'état. C'est juste pour avoir un support plus agréable pour regarder la vidéo. Alors. Ça fait 4 mois que j'ai pas mis de vidéo et j'ai dû prendre une décision. J'ai longuement réfléchi et aujourd'hui ma décision est ferme et définitive. Et j'y reviendrai pas. J'arrête définitivement mes vidéos. Je vais pas vous faire une vidéo d'explication pendant 20 minutes. Le choix est là. J'arrête définitivement mes vidéos de ma chaîne. Je continuerai personnellement à en faire, pour moi. Mais ça sera pour moi. Vous n'en profiterez pas, ça sera sur un point personnel. C'est un côté personnel, c'est je ferai des vidéos. Mais voilà, ça sera pas des vidéos qui seront publiées, ça sera pas des vidéos que vous verrez forcément. J'y ai réfléchi longuement et c'est la seule chose, c'est le seul choix qui restait à faire. Par rapport au reste, c'était la dernière chose qui me restait. Pourquoi ai-je voulu, enfin ai-je accepté, ai-je... Ben pourquoi m'arrête-je, pourquoi est-ce que je m'arrête plutôt devrais-je dire? Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison est un commentaire que je rechercherai et je mettrai sur en montage dessus. Un commentaire a tout à fait raison. Si je perds ma motivation d'en faire, faut que j'arrête d'en faire. Pas que je me force à en faire. Au moment où je filme, ça me pose aucun problème. Là, je filme, j'aime bien filmer, présenter ce que je fais, mes différentes choses que je fais. J'adore. Par contre, où ça pose plus problème, c'est lorsqu'une fois que j'ai filmé, le montage, tout ça, ça pose aucun problème. Ça va assez vite avec mon matériel que j'ai. C'est le moment où je dois mettre en ligne. Et au moment où je dois mettre en ligne, ça me prend à peu près 10 heures. Pendant ces 10 heures, je ne peux pas utiliser Internet. Parce que j'ai une connexion telle que là où je suis, je ne peux pas me permettre de faire autre chose avec la connexion Internet. Sinon, ça risque de planter ou je risque... ça risque pas forcément d'être ce qu'il faut. Donc, j'ai pas le choix. Voilà. J'ai pas le choix et... Et au bout d'un moment, j'ai envie de dire, c'est lourd. C'est vraiment lourd. D'ailleurs, c'est Vic Despawn, ça se peut. C'est ça. On s'en fiche. Je souhaite pas continuer. C'est bête à dire. Mais au bout d'un moment, d'avoir fait tellement de vidéos, ça donne pas envie de continuer. Donc, je préfère arrêter. Je préfère arrêter maintenant. Plutôt que continuer dans cette logique-là. Je me suis donné beaucoup de moyens d'y arriver. J'ai passé vraiment beaucoup de temps avec mes différentes vidéos et autres, enfin à vous faire partager ma passion en état. J'ai commencé en décembre 2011, donc depuis le temps, il y a des vidéos. Il y en a plus de 700, je crois, sur ma chaîne. Et pourtant... il faut reconnaître que j'ai fait mon temps. Il faut fortement le reconnaître. Et en plus de reconnaître que j'ai fait mon temps, il faut aussi dire que j'ai plus de motivation à faire des vidéos. C'est bête, mais je me vois plus vous mettre en ligne pendant 10 heures une vidéo. Je peux rien faire pendant ça. Je peux absolument rien faire d'un point de vue personnel et c'est trop contraignant. Alors au bout d'un moment, faut... De mon côté, j'arrête. Ah, c'est pas plus dur que ça. Au bout d'un côté, il faut s'arrêter et ça sera meilleure des solutions de mon côté. Donc voilà. Autre problème, c'est en plus de ça, c'est qu'on j'ai de plus en plus de remarques que mes vidéos sont moins bien qu'avant et autres. Effectivement, c'est un autre genre. Si vous appréciez, vous appréciez pas. Après, si vous appréciez pas, tant pis. Vous appréciez, j'en suis content.
Mais voilà, ça va pas me faire changer, va pas me faire changer de la manière dont je joue, ça va pas me faire changer la personne que je suis. Ça vous plaît pas, bon bah tant pis. Je continuerai. Pas. Bah, de toute façon, au bout d'un moment, faut arrêter l'hémorragie à ce niveau-là. Ensuite, j'ai beaucoup de séries que je voulais faire, vraiment beaucoup, mais la connexion internet a raison de moi, tout simplement. Je me vois pas encore prendre tout sur moi, encore me donner un, encore essayer d'en faire énormément, alors que j'ai pas la connexion internet qui suit. C'est bête à dire, mais en soi, le gros problème, c'est ma connexion internet et quoi que je fasse, ma connexion internet restera le problème. Donc oui, ça serait intéressant que je fasse une série. Oui, ça serait intéressant de faire ceci, cela. Oui, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien. Mais pas avec une connexion internet. De plus, plus je joue, plus j'aimerais faire du streaming. Et moins j'ai envie de faire de vidéos. Le problème, c'est que j'ai pas connexion pour faire du streaming. Voilà. J'ai une chaîne Twitch, mais j'ai pas connexion pour faire du streaming. Donc, ça sert à rien. Donc, mieux vaut arrêter là. Mieux vaut arrêter là. Vous serez beaucoup probablement à me demander s'il te plaît, continue, c'est bien et autres, mais je dis pas le contraire. J'ai dû faire plaisir à beaucoup de personnes avec toutes mes vidéos depuis les années que je suis dans le milieu. À un moment, faut laisser la place aux jeunes. Mes vidéos sont peut-être toujours intéressantes, j'ai toujours une petite communauté, je m'en fiche de la communauté que j'ai, de la grande communauté ou non, mais faut quand même reconnaître qu'au bout d'un moment, c'est quasiment plus agréable du tout de faire des vidéos. Moi j'ai fait mon temps, j'avais beaucoup de temps libre à une époque, donc j'ai adoré en faire. Aujourd'hui j'ai plus cette même disponibilité, j'ai plus cette même hargne, cette même envie de continuer. Et quand on l'a plus, ben soit on attend. Soit à un moment faut reconnaître l'évidence, et l'évidence c'est que je souhaite simplement arrêter. Voilà, juste arrêter, c'est ni plus ni moins. J'ai longuement réfléchi, on m'a donné différentes propositions, on m'a proposé différentes choses. J'ai longuement réfléchi. Et c'est la seule solution qu'il y a. Faut arrêter. Il y a d'autres personnes largement mieux. Je vivrai pas de ma passion pour les jeux vidéo, donc ça sert à rien de forcer dessus. Si ça serait mon métier, ça serait différent. Voilà, on peut avoir une perte de motivation ou au moins apprécier. Quand c'est son métier, on continue à travailler, même s'il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Voilà. Mais c'est pas le cas, donc j'ai envie d'arrêter. Voilà. C'est pas le cas, j'arrête. Pour ce qui est de... Excusez-moi, j'étais juste en train de lire, il y a des trucs que j'ai des modifications que j'ai pas vu depuis le dernier coup avec avec ce gars. Après voilà, c'est pas le choix le plus facile que j'ai en l'état, faut pas croire que c'est un choix facile, mais c'est un choix de raison, et à un moment faut accepter les choix de raison, faut reconnaître ce qui est, faut accepter ce qui est et avancer. Et moi je décide maintenant d'avancer, voilà, je décide de faire autre chose, de tourner une page là-dessus. Je continuerai à faire des montages pour mes amis, pour ma famille, pour mon entourage, mais je ferai plus de manière semi-pro pour faire des vidéos. Je suis pas devenu commentateur, je suis pas devenu youtubeur professionnel. Tous ces projets-là se sont arrêtés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tous ces projets-là se sont arrêtés et moi aussi je m'arrête en même temps qu'eux. Voilà, ça a été un bon moment, c'était des années très agréables, j'ai adoré faire tous ces moments avec vous, mais je souhaite continuer sur des projets personnels,
continuer, faire des choses beaucoup plus. Comment je peux dire? Enfin, je vais dire beaucoup plus profond. Je pense pas que le terme profond soit le bon terme en l'état. Je pense plutôt que le terme adapté serait de dire j'ai beaucoup plus envie de faire, de consacrer le temps là pour mon entourage. Et à partir de là, ça demande d'arrêter tout ce qui prend du temps, ça demande d'arrêter tout ce qui est entre guillemets secondaire. Pour moi, ma chaîne YouTube, c'est devenu tellement secondaire, voire tertiaire, que je m'y consacre plus. Je réponds aux commentaires parce que ouais, j'ai des notifications qui me disent qu'il y a des commentaires, mais sinon, j'y répondrai pas. Je tourne la page, tout simplement. J'y répondrai encore pour un temps en vidéo, mais in fine, ce qui est prévu, c'est que j'y réponde plus. Faut être aussi honnête, j'ai fait mon temps, j'ai vieilli, je filme des jeux de stratégie qui est d'une autre, c'est une autre époque, c'est une autre communauté, et je préfère me continuer tout seul maintenant. Voilà, donc à ce niveau-là, je préfère m'arrêter là. Ensuite, j'aimerais aussi revenir sur certaines choses, bon, par rapport à Steam, par rapport à Origin, par rapport à Replay, ça sert plus à rien de m'ajouter, j'accepterai plus de nouvelles personnes liées à ma chaîne. Si j'arrête totalement, c'est que je tire un trait sur le passé. C'est que moi, j'ai mes souvenirs de ça, j'ai des souvenirs de cette époque. Je vais pas être nostalgique parce que j'ai aucune raison de l'être, parce que j'ai adoré. Et que j'accepte de tourner la page. Par contre, voilà. Certaines personnes nous penseront peut-être que c'est étrange, que c'est égoïste, que c'est déraisonnable. Moi, de mon côté, je vois ça différemment. Je vois ça comme le fait que c'est une page de mon histoire qui se tourne, tout simplement. C'était le passé, c'était agréable. Ça, c'est terminé, et on continue. On part sur autre chose. Ni plus ni moins. Voilà comment moi je vois la situation et comment je vois les choses de mon côté. Je continuerai, voilà. Je continuerai à faire des choses de mon côté. Ah ouais. Ce sera beaucoup des projets moi qui m'intéresseront plus, mais ça sera sans vous. Pour ce qui est de Skype, bon, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient ajouté à une époque. Il y a une personne qui m'a fait drôlement cette remarque-là, donc je préfère revenir dessus. J'ai pas mal de la citer. Plus que ça. Pourquoi je ne vous garde pas? Pourquoi, d'une certaine manière, je ne souhaite pas vous garder dans mes contacts Skype? Je considère Skype comme quelque chose de personnel. J'utilise ça que pour contacter, que pour avoir mon entourage proche. Dès que je parle avec des gens ou que je joue en ligne ou autre, j'utilise Steam, j'utilise Origin, j'utilise Mumble, j'utilise TeamSpeak, j'utilise même parfois Discord, mais pas Skype. On va me dire que je suis pas à la page, on va me dire que c'est totalement débile. Moi, je vais sortir cet argument-là. Je vois les réseaux sociaux d'une manière. Et à partir du moment que je vois ça à ma manière, j'ai le droit de. Enfin, je pense que j'ai le droit de gérer à ma manière Skype et ce réseau-là. Donc, effectivement, je vous ai accepté au début, puis après, je vous ai enlevé, et je vous ai expliqué les raisons. Ceux qui n'ont pas compris, tant pis pour vous. Ceux qui ont compris, je vous en suis reconnaissant d'avoir compris ma logique et d'avoir compris que c'était pas contre vous, c'était simplement. D'un point de vue personnel, je ne fais pas entorse aux règles. Voilà. J'ai décidé depuis le début que Skype utilisait comme évolution des mécènes uniquement dans mon entourage, pour pouvoir contacter ceux que j'apprécie et parler avec eux. J'ai pas décidé pour jouer avec Skype. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez m'en vouloir, mais je pense qu'au moins, je suis quelqu'un qui reste fidèle à ses principes, qui reste fidèle à ce qu'il a décidé. Donc, par rapport à Skype, voilà mes raisons qui m'ont poussé à agir de cette manière-là. Par rapport à Steam, enfin par rapport à Origin et Uplay, j'ai jamais accepté vos invitations. Ça changera pas, ça reste en même logique que Skype, simplement pour une autre raison. C'est qu'Uplay et Origin, j'ai quasiment pas beaucoup de contacts dessus. Et tous les contacts que j'ai dessus, je les ai déjà de base sur Steam en fait.
Et généralement, on est déjà sur Steam avant d'être sur Origin. Ou d'être sur Uplay. Voilà, c'est pour une raison, voilà, c'est une raison un peu différente. C'est plutôt un raison de fonctionnement qui est à l'origine de ça. Pour ce qui est de Steam, j'ai deux offres qui s'offrent à moi. Deux possibilités. La première, je continue, je supprime tout le monde, tous mes contacts liés à Steam, enfin liés à ma chaîne YouTube, et comme pour un Music Lores, je tourne une page. Pourquoi pas? Ça peut être une solution comme une autre. Deuxième solution envisagée, je garde les personnes provisoirement, ou peut-être plus durablement. Vous m'embêtez à voir me relancer sur les vidéos ou autre, je dirais sans aucun remords, je vous ferai sortir de ma liste. Hein. Voilà. Juste pour me dire, vas-y, refais ceci, refais cela, niet, j'ai arrêté, je vais pas venir des années plus tard, refaire un truc que j'ai plus envie de faire. Donc voilà. Donc, moi je pense plutôt partir sur cette logique là. Ça a rien de vous supprimer parce que vous êtes pas. Voilà, la majorité des personnes que j'ai sur Steam sont compréhensives et comprennent que j'aime bien quand je suis dessus. Parfois être tranquille, ça me dérange pas de parler avec vous, mais faut pas en abuser pour autant. J'accepterai pas une nouvelle personne par contre, ça qu'on soit bien clair dessus, mais ça me dérange pas de garder actuellement ceux qui sont encore dessus. Bon, à partir du moment qu'on part là-dessus, je pense que ça posera aucun problème pour personne, parce qu'au moins les règles sont fixées, vous savez à quoi vous en tenir, vous savez à quoi je vais m'en tenir, et il y aura pas de surprise. Il n'y aura simplement pas de surprise. Par contre, je vais quand même aussi le reconnaître. On va sûrement me critiquer cette décision. Alors, si vous voulez la critiquer, critiquez-la. Si vous comprenez la décision, je vous en remercie. Si vous ne voulez pas comprendre, tant pis pour moi. C'est ni plus ni moins comme ça. Je prends mes décisions. J'ai passé 4 mois à y réfléchir avant de la donner. Je vais pas faire des exceptions ou changer mes principes alors que j'ai déjà décidé tout ça. J'ai passé du temps à y réfléchir. J'arrête. Je ferai peut-être plus tard une chaîne Twitch. Enfin, je continuerai sur une chaîne Twitch. Mais ça n'aura aucun rapport avec YouTube. Ça servira à rien de me demander de mettre des vidéos en ligne sur YouTube. Parce que j'ai tourné la page, tout simplement. Ensuite, il y a probablement d'autres questions qui vont se succéder à tout ça. J'ai des questions que je me doute qu'on va me poser. Par exemple, pourquoi avoir décidé de ne pas finir les séries? Au début, c'est ce que je me disais. Je vais me forcer à finir les séries, au moins par principe, au moins vous les aurez. Le souci, c'est que je pars sur ce principe-là, donc c'est-à-dire que je dois finir Age of Empires 2, je dois finir la série de Mass Effect 2, je dois faire Mass Effect 2 et 3, et je dois refaire aussi mes autres promesses que j'ai faites, donc de refaire toutes mes vidéos, donc World in Conflict, Ruse, Company of Heroes 1, en 1080, en 16/9, 1920 par 1080. Donc autant, ça veut dire me forcer pendant 2 ans à refaire des vidéos. Non. Si j'arrête de faire des vidéos, c'est à cause de ma connexion internet. C'est pas pour repartir pour 2 ans. Donc toutes les séries qui sont été commencées ne seront pas terminées. Aucune des séries que j'ai commencé là ne se terminera. C'est peut-être une reproche qu'on me fera. Mais voilà, je tourne la page définitivement de cette époque-là. Et c'est la chose la plus logique que je vois de mon côté.
J'espère que l'on comprendra. Sincèrement, j'espère qu'on comprendra, qu'on me comprendra tout ceci, tout ce que je fais. Après, voilà, c'est un choix. Donc moi, je vais finir de mon côté. Je vais reprendre moi, mes séries que j'ai commencé avec mes. La série avec Jaguar, par exemple, je vais finir avec lui de mon côté. Mais elle sera pas en ligne à ce niveau-là. J'ai passé d'agréables moments avec vous, ça je vais pas mentir. Simplement voilà. C'est mon temps est passé. Il y a des personnes bien meilleures, largement aussi bons que moi, voire même meilleures que moi sur YouTube. Effectivement, je faisais des let's play français de jeux pas forcément fréquents. Mais voilà, c'est mon temps qui court et qui a fini. Et aujourd'hui, je décide de partir. Je sais, je chante très mal. Lauren Dietrich Berger and Deluti. Ça va mieux, le MX. Donc voilà mon choix. J'espère que vous m'en voudrez pas. Vous m'en voudrez pas trop pour ça. En tout cas, moi de mon côté, je vous souhaite en tout cas à tous et à tous de réussir dans vos projets personnels. J'ai vraiment passé d'agréables moments avec chacun d'entre vous. J'ai vraiment apprécié faire toutes les vidéos que j'ai fait avec vous. Donc voilà, moi ça restera très bon souvenir. Simplement voilà, faut à un moment ou l'autre, faut accepter qu'on tourne la page. Faut accepter de tourner la page. Et voilà, moi je la tourne aujourd'hui. Je la tourne aujourd'hui. Bon, enfin, mentalement j'ai déjà tourné depuis quelques mois, mais j'ai déjà vu arrêter. Mais voilà, c'est aujourd'hui définitivement que vous verrez avec cette vidéo que ça sera fini. Vraiment, voilà, moi de mon côté, ce que je vous invite chacun d'entre vous, c'est vraiment de poursuivre vos passions et vos rêves. Moi, c'était une passion au début. C'était vraiment. Au tout début, c'est peut-être bête à dire. Je me suis lancé pour même pas renommer, pour absolument rien. Je me suis lancé parce que je voulais le faire. Je me suis lancé. On m'a beaucoup dit que j'y arriverais pas. On m'a beaucoup dit que c'était que jamais tu décrocherais quelque chose, que jamais tu serais reconnu et autres. Au final, j'ai quand même développé une belle communauté. Je vais pas mentir, j'ai quand même une très belle communauté grâce à vous. Donc voilà, j'ai déjà pu faire taire tous ces racontars et j'ai adoré voilà tout ça. D'autre côté, j'avais espéré en étant jeune pouvoir en vivre de cette passion. C'était bête d'y croire parce qu'effectivement on n'en vit pas, on en vit rarement de ça. J'aurais pu en vivre, j'aurais apprécié, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que pour autant c'est malheureux et malvenu? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce qu'au final il y a eu d'autres choses tout aussi bien qui ont eu lieu en parallèle. Il y a eu d'autres choses tout aussi bien qui me sont arrivées, qui au final font tout s'est même plutôt très bien réalisé et j'en suis vraiment heureux. J'en suis vraiment heureux. Donc je peux que vous remercier toutes et tous. Voilà, là, vous pouvez vraiment vous féliciter pour tout ce que vous avez fait et vraiment continuer à être ce que vous êtes. Ne vous laissez pas dicter par les autres. Vous croyez en quelque chose, donnez-vous les moyens de réussir. Moi, je me suis donné les moyens de réussir pour ma chaîne YouTube. Je considère que c'était un succès. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, j'arrête. Mais pendant toutes ces années-là, je considère avoir réussi ce que je m'étais fixé au-delà de mes expériences. Aujourd'hui, je rentre dans le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai d'autres projets. J'ai d'autres personnes qui, dans ma vie personnelle, m'accaparent du temps. Et à partir de là, une fois qu'on regroupe tout ça ensemble,
on se rend compte que tourner à page est déjà dur. C'est pas forcément facile. Moi, je vais pas vous mentir, tourner à page, c'est pas forcément la chose la plus facile à réaliser. Mais faut le faire. Voilà, faut le faire. Et je suis sûr que je retrouverai certains d'entre vous. Je suis sûr qu'on se retrouvera in-game, qu'on refera des parties ensemble ultérieurement avec le hasard des choses. Mais c'est vrai que YouTube en soi, pour moi, est mort. Et autant laisser d'autres personnes se lancer derrière moi. Tentez de votre chance. Vous y perdez rien. Vous y arrivez, tant mieux. Vous y arrivez pas, tant pis. Mais ne baissez pas les bras pour si peu. Mais vous réussirez d'une certaine manière, vous réussirez à faire quelque chose d'intéressant. Donnez-vous toujours les moyens de réussir dans vos projets personnels et vous y arriverez. Moi, mon projet personnel, j'en ai. C'est-à-dire pour ça, mes projets personnels sont incompatibles avec le fait d'avoir une chaîne YouTube. C'est-à-dire une des grandes raisons. Mais malgré ça, j'ai été heureux. YouTube était un de mes projets personnels. Aujourd'hui, mon projet personnel passe par autre chose. Et je vais en être très heureux. Et je vais vraiment en être très heureux, moi, de mon projet personnel. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je vous souhaite vraiment d'être heureux à venir, de réussir dans vos différents projets. Et une bonne continuation à chacun d'entre vous. Un jour, peut-être. Pas sur YouTube, de sûr. Mais en tout cas, bonne continuation à chacun d'entre vous. Et ne vous laissez pas distraire de vos rêves, continuez à croire en ce que vous croyez et les choses arriveront quand elles arriveront. C'est là-dessus qu'on termine cette dernière vidéo sur YouTube. Je vous dis au revoir et c'était vraiment une grande chance de ma part de vous avoir tous connus, d'avoir fait des vidéos pour vous tous, pour cette magnifique communauté que j'ai eue. Et par rapport à ça, je vous souhaite un bon courage pour l'avenir et de vous amuser et de vous faire plaisir. A ciao tout le monde et c'était ma dernière.